42. Hey, salut tout le monde, rebonsoir pour ceux qui étaient là sur le live précédent et salut YouTube au passage pour cette rediffusion. Comment allez-vous? Bon, je suis un peu à la bourre, on note pas, ok. J'ai galéré à me faire à manger, c'était très dur pour moi de me faire des frites au four et de réchauffer des burgers. Donc ne soyez pas médisants, soyez des gens bien, essayez d'être gentils. Et on est parti pour en chier pendant des heures et des heures. Amen. Re-Scorpion, Recoxy, salut Zercalo, Refuentes. Et salut Antoine. Putain Antoine, ça fait longtemps, t'étais pas là tout à l'heure. Nicana en retard, on est habitué. C'est vrai, j'avoue. J'avoue. Enfin, j'étais en ce moment, je suis souvent à l'heure ou en avance quand même. Hein. On note. Faut noter, faut noter. Bon, on est parti. Je suis vraiment... mais alors vraiment pas chaud. Oh, Batid, Batid, est-ce que tu portes tes couilles et que tu restes tout le live? Ça serait beau. Franchement, ça serait beau. Tu portes tes belles grosses coronesses, mon grand, et tu restes tout le live. Oh, ya, ya. Oh, il régale, le Batid. Ah, il régale. Batid, on va faire un jeu. Chaque fois que tu flippes, tu fais un don. Je vais être riche ce soir. Oh, mon Dieu. Bon, je suis pas chaud, hein, parce que franchement, même moi, le jeu, il me tend de ouf. Il me tend de ouf. Yo Antoine, merci pour les 1000. Waouh. Ah ouais, grand merci. LOL, Batid, merci pour avoir offert 5 subs. Vous êtes des tarés, les deux frangins. Et bah, Shinji SSA-sama. SSA-sama. Félicitations à toi pour ton sub, Dams, félicitations pour ton sub, Zbooby, pareil, Coxy, félicitations aussi, et Zercalo, félicitations. Je prends de l'avance, tu m'étonnes. Ouais, mais les devants c'est mieux, je peux les utiliser de suite. Ça arrive sur Paypal et après je peux acheter des trucs sur ExoHeroes. En tout cas, merci les deux frangins, vous régalez, vous êtes géniaux, franchement c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Un grand merci à vous. Ça y est, je suis empereur des bites. Cette phrase sortie de son contexte. Cette phrase, Antoine, sortie de son contexte. Aïe, aïe, aïe. Ah, obligé. Je suis obligé de faire un truc. Je suis obligé de faire un truc. Donc, avant de lancer le jeu, désolé pour ceux qui attendent, je vais aller sur Discord. Alors, attendez, Discord, voilà. Et je vais rename Antoine sur Discord, l'empereur des bits. Voilà. Et après, on lance le jeu et on commence à jouer. Alors, il est où? Il est où cet animal? Il est facile à trouver. Il discute beaucoup. Il y a des gens qui parlent dans le SSA. C'est Wesker. Alors, le petit Akuma, donc je pense qu'il me suffit tout simplement d'aller sur la partie générale. Akuma, voilà, qui nous fait un bon gros je suis là pour... Voilà, et on va le rename Akuma, l'empereur des... Voilà. Voilà, Akuma, l'empereur des bits, c'est fait. Et on peut y aller. Charger une partie. Donc on en était là, j'avais mon maillet en mousse. Non, c'est pas une bonne idée de manger pendant ce live-là. Toi-même tu sais, après le live de la semaine dernière, je suis venu en discuter avec vous sur Discord et on était tous d'accord, qu'on soit joueur ou viewer, on a flippé comme des enfoirés. Donc du coup je reprends la sauvegarde et on y va. J'ai fait que 6% du jeu. Non. Non, j'ai fait que 6% du jeu, j'ai tellement douillé ma race. J'ai envie d'arrêter là, moi. Tu t'en vas le chat, s'il te plaît. Allez. Merci. J'ai fait que 6%. Mais on va jamais s'en sortir, les gars. Heureusement que samedi prochain, il n'y a pas de live horaire. Hein. Hein. Oh là 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 là. Je pense qu'en termes de durée, on va faire comme la semaine dernière. On va faire à peu près 1h30. Comme ça, on le savoure. C'est pas trop long. Et puis, je vous avoue que... c'est violent pour mon petit cœur, ce jeu, quand même. Ok, donc j'étais vraiment dans le mal. Alors... Voilà. Je prends un médoc. J'ai une masse qui me sert à rien. Nique ta mère, toi. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Ok, c'est moi qui respire. Non mais j'y arrive pas sans déconner, j'y arrive pas. J'arrive plus à l'ouvrir. Ok. Oh putain. Je sens le stress monter. Oh. Tellement, putain, on n'a rien fait. Ah, on laisse la lumière allumée, vous êtes baisés, vous. Ouais. Non, 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 nique ta mère, la lumière. Ça quoi? Oh la vieille! Oh la vieille! Elle me veut quoi? Elle va me buter. Bon. Ouais, fais pas le malin. Fais pas le malin, Scorpion. Qui fait le malin tombe dans le ravin, perd son chien, enfin la totale. Ok? Donc rigole pas trop. Putain, ça fait 5 minutes que j'ai commencé à jouer, je suis déjà au bout de ma vie. Attends, faut que je refasse la partie avec la vieille, là? Non, 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 ni que toi, on charge une autre partie, je refais pas avec la vieille. Ça, c'était à quel moment, ça? Oh là là. c'est trop ouf. Ce jeu il va me flinguer. Ce jeu va me flinguer, les gars. Ouais, si, il faut que je reprenne ma sauvegarde. Je suis pas serein. Je pense que c'est ma... Ah, attendez. Ouais. Ah, non. Voilà. Vous aviez pas la visibilité sur le cerveau, en fait. Du coup, c'était plutôt gênant. Ok, ça, c'est une nouvelle pièce. Ah ouais, non, ok. Ok. Alors attends, j'ai pas d'autres... Comment on fait pour l'inventaire? Ouais, si. Ah, ça nécessite une main. Ouais. J'ai une masse, elle me sert à rien. Salut Zerka. Ouais, donc le son chelou, c'est de ça que ça vient. Ok, ici, le briquet s'allume. Et elle va me retuer encore. Ok, non, ça va. Elle m'a pas rebuté. Pourtant, on l'a vu apparaître. J'ai la clé du sous-sol. Ouais. Bon plan ou pas? GG ça, ZRK, j'ai vu tout à l'heure. Jamais bon les sous-sols. Je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi, Fuentes. Il est pas de retour, petit perso? Mais alors attends, si le sous-sol c'est pas ici, c'est où? Pourquoi c'est éteint en face? J'ai la clé du sous-sol. Oh, la boîte est vide. La lumière marche plus. J'ai plus de médoc. Aux États-Unis, il y a toujours des médocs dans les placards de salle de bain. Donc on n'est pas aux États-Unis. Ouais, si, dans la chambre des parents, j'y vais, mais... La chambre des parents, elle a changé. C'est genre tellement plus la même. Ça, si je la réécoute... Ah oui, je vais utiliser ça. Les symptômes de Dolores sont de plus en plus inquiétants. Les docteurs disent que c'est parce que c'est difficile d'identifier le problème exact. C'est peut-être de la schizophrénie selon eux, ou un trouble bipolaire, ou une psychose, de la démence, ou d'autres choses encore. Elle pleure, enfin il pleure. Je ne sais pas quoi faire. Il semble que les traitements empirent simplement les choses. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle entendait sa propre voix qui chuchotait la suite de 5 chiffres sur le moniteur. Elle disait que c'était la clé vers sa demeure antérieure. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je suis bien d'accord, mon grand. 5, 0... 3, 7, 5, 0, 3, 7, 3. On le voit bien au milieu. 5, 0, 3, 7, 3. Je vais le noter quelque part au cas où. Je vais me prendre un petit post-it. Est-ce qu'on a un truc à code quelque part dans la maison? Si, au bout d'un moment mon briquet va avoir un problème d'essence. Ah bah voilà. Et là, apparemment, je peux pas l'éteindre. Donc ça, c'est brisé. Là, il y avait eu un truc à faire avec les chaussons et tout, c'est réglé. Bon, j'ai plus de briquet. Tout va bien. Viens là, grand-mère. Je te défonce. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que j'aille vers elle, en fait. Pour pas laisser la peur monter. J'ai 0 putain de médoc. Une bière. Bah, lâche-la. Je fous avec une bière. Ah. Une clé portant le symbole électrique. Donc, bon, on va retenir. Je sais où on peut trouver deux clés. Parce que là, je vais très certainement crever. Donc, je peux avoir la clé électrique ici. Oh, nick. Ok, c'est bon. Je peux avoir la clé électrique. Ça, j'ai toujours pas. On peut essayer, hein, mais... Ouais, non. C'est... Ouais, pour aller voir l'électricité, mais en vrai, j'ai pas de problème d'électricité, à part... les lumières qui s'éteignent et qui s'allument toutes seules, tu vois. Genre l'électricité, en temps normal, c'est dans le garage. Dans les... Ça pue. Oh, il y avait grand-mère. Espèce trop de trucs, quoi. C'est toujours niqué. Là, la porte, elle s'est fermée. J'ai des ampoules, mais c'est pas les ampoules qu'on pétait. Ça serait pas là, le sous-sol? Mais là, c'est un peu... C'est chaud de ouf. Ah, je vais crever, elle va me sauter dessus, là, il y a le cerveau qui monte. Ok, ça redisparaît. Je peux pas rester trop longtemps dans l'obscurité, j'ai pas de briquet, j'ai rien. On peut pas allumer le compresseur. Bon. Ressort, 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 ressort. Le cerveau. Ouais, là, c'est le garage. Là, c'est le garage. Je me dis, tu vois, l'électricité est potentiellement ici. Le problème, c'est que là, je pense que la porte qui est en face, elle donne au sous-sol. Mais pour l'instant, le sous-sol, je peux pas l'ouvrir. Ou sinon, l'électricité est potentiellement au sous-sol. Ouais, au sous-sol, voilà. Donc, ce qui voudrait dire qu'en fait, les deux clés que je viens de choper... Elles sont pas pour maintenant. Donc, il faudrait que je... Parce que ça, c'est parce que là, le moment de l'histoire que je dois débloquer pour avoir la suite, c'est verrouillé. Là-haut, c'est là où on a eu des trucs chelous. Je regarde du garage, on repasse au premier étage, mec. Cette maison, elle est sans queue ni tête. Genre, on est d'accord, quoi. Cette maison n'a aucun putain de sens. Et là, on va arriver au truc hyper flippant. Non, il n'y est pas, tu vois, on n'a pas, les mêmes animations. On n'a pas les mêmes animations. Beaucoup de bière. Pas grand chose à manger là-dedans. Je suis paumé de ouf, hein. Si vous avez des idées ou un indice, les gars, on va arriver à un stade où je suis preneur. C'est là, je suis ultra perdu. J'ai deux nouvelles clés et ça qui sert à ouvrir le grenier. Et j'ai un code 50373. Ah, moi c'est mieux avec de la lumière. Et là? Ah, ouais. Tout à l'heure on y voyait un peu plus clair quand même, mais ça c'est pas grave. Je reste pas trop longtemps là-dedans. Et Jackson 5? Ça pue, ça. C'est la première fois que j'entends de l'orage depuis le début du jeu. Elle va me tuer. Qu'est-ce qu'il nous dit, le didacticiel? Ouais. Pièce de stockage. Donc il y a besoin de la masse. La masse est un objet de progression, il y en a besoin. Oui. D'accord. Ouais, peut-être que je commence à allumer mes bougies. Ouais, mais la masse, je l'ai déjà. La masse, je l'ai déjà. Ça l'a envoyé au sous-sol quand je l'ai foutu sur le sol. Mais je l'ai déjà là, tu vas voir. Quand je vais charger ma partie, tu vas voir, je l'ai. J'ai la masse et 3 comprimés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un comprimé. Je vais aller chercher les clés que j'ai récupérées. Donc, il y en avait une dans le bureau. Une... Putain, j'ai oublié. Je suis tellement dans le stress du « je veux pas crever », tu sais. Que j'ai oublié où elles étaient. Et casser le miroir, c'est jouable? Allez, on va se refaire flipper un coup. Alors, attendez. Non, je peux pas. Ok, ça a fait disparaître le truc. Ok. Du coup, c'est un truc qu'il fallait voir, ça. Bon, pourquoi pas? Ensuite. Donc là, non. Là non plus. Les clés, les clés, les clés, les clés. Là non. Ok, la télé qui s'allume toute seule, c'est pas bien grave. Oui, non, on laisse allumer, vous êtes gentil. Les gars, vous vous rappelez où elles étaient les clés? Il y en a une, elle est en haut, c'est sûr. Ça, je m'en souviens. Mais l'autre... Une dans le bureau, ouais. T'en as une, elle est là, là. Alors, si je me rappelle bien. Voilà. Ça, c'est ok. C'est pas dans la chambre du petit. C'est potentiellement dans la chambre des parents. Attends. Une porte s'est fermée derrière. La salle de bain. Je rentre pas dedans du coup. Non. Alors est-ce qu'il faut pas casser tous les miroirs? Voilà, moi je te fonce dessus, grosse pute. T'es où? T'es où? Bon, elle va venir nous tuer, mais... Ok. Ok. Bon. Non, non, c'est pas moi. Un seul couteau semble avoir été enlevé. D'accord. C'est verrouillé, rien n'indique qu'une clé est nécessaire. C'est la radio, je vais aller l'éteindre. Là, il y a un autre miroir à casser. Ouais. Ok, on y va. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu essayer. Et là, c'est juste un putain de couloir. Ah. 7-0. Non, 5-0, 3-7-3. Ça va correspondre à rien. Qu'il y a un truc à faire avec ces pendules. On peut tourner les assiettes. Pas. Est-ce qu'il y a un autre endroit avec un miroir à casser ? Vous en rappelez-vous ou pas? Celui-là, il est déjà pété. Oh, c'est tellement glauque. Non, je sais pas. Ça c'est quoi? Ouais. À un moment où le streamer devient plus flippant que le jeu. C'est pas possible de devenir plus flippant que ce putain de jeu, mec. Faut que je me remette mon briquet. Vous aviez dit le garage allant là-bas, non? Elle est là. Branle. Oh. Elle est sous le... Ok, je vais crever, je me casse. Voilà. Et j'ai plus de briquet. Mais j'ai une masse. Non, non, non. Bon, je vais mourir là, je pense. Mais en vrai, ça a sauvegardé pas loin. T'es où, vieille pute? Ah. Ok. Bon. On a quelques sauvegardes qui se sont faites. Alors attendez, ce que je vais faire... Ah non, ça marchera pas. Réfléchissons. Avant de reprendre. On a trouvé une salle avec une sphère. Je sais pas quoi en faire. Je sais que quelque part au rez-de-chaussée, il y a la clé du sous-sol. Pour l'instant, j'y ai pas accès. On a trouvé une salle avec un fœtus qu'on a essayé d'assommer avec un marteau, ok. Pareil, on a récupéré une boule là-bas, mais avec quelque chose à l'intérieur, donc cette boule, faut sûrement l'ouvrir. Peut-être un socle, un truc où la poser, je sais pas trop quoi. J'ai un code 50373. La clé de l'armoire électrique qui est très certainement au sous-sol, en tout cas c'est ce qu'on pense. Mais je sais que je peux casser les miroirs. Alors est-ce que j'ai fait le tour de tous les miroirs? Ça c'est la grande question. J'arrive un peu plus à gérer mon côté mental, mais là de trouver la vieille peau derrière la bagnole, juste non. On recommence pas. Donc là c'est le moment où j'arrive à Fetusland, hein, normalement, cette sauvegarde là. Voilà. Et donc je l'ai déjà. Ouais, il est là. Et j'ai un briquet. Alors par contre, ma santé mentale vient d'exploser, de crever le plafond. C'est pas cool cool. On va se mettre là le temps que ça se calme un peu. Il n'y a pas de miroir, je peux pas défoncer la porte. Bon, on va courir. Est-ce que potentiellement j'ai eu des infos en plus ici ? Non. J'ai rien de plus et on se barre de là. Ok. Celui-là. Putain. Merci. La lumière qui s'éteint. Ah. Ah ouais, ça s'éclaire bien, c'est cool. Alors. Donc là, c'est la salle avec les ampoules. À la base, le miroir, il venait de là. Il n'y en a pas un autre, ça s'est fermé. On sait qu'au rez-de-chaussée, il n'y en a pas. On On sait qu'au rez-de-chaussée, il n'y en a pas. Ah, il y en a un là. Je suis le seul à être ultra rassuré là ou comment ça se passe? Ok, je ne peux pas l'allumer pour l'instant. Ok, cette salle est chelou de ouf. Ça me dit que je peux les ramasser, mais... Je dois remettre les cadres. Alors... T'es pas flippante toi. Et toi? Il semble y avoir un motif, mais rien dans cette pièce. Casse les couilles. Bon, les trois qui manquaient, c'était ceux-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et là, il y a trois cadres et trois cadres. On va essayer les deux combinaisons. Donc il y a deux fois celui-là et après le groupe de tarés. On va essayer les deux combinaisons. Donc ça, le groupe de tarés et... Il y a forcément l'autre. Là. Donc non. Et sinon... Des trucs chelous. C'est celui-là. Celui-là. Et l'archer. Non. Elle est là-bas, je crois. Ouais, c'est pas tout à fait un archer. C'est pas ça non plus. Tiens, du coup, je me retrouve avec 3 énigmes. Je me retrouve avec 3 énigmes mais aucune idée quoi. On en est là. On en est fucking là. Bon en vrai ça avance quand même. J'ai réussi à me débloquer sur certaines choses mais... J'aimerais bien retrouver cette clé du sous-sol. Je pense que je vais aller voir dans la chambre. Potentiellement un truc à faire. Je me rappelle plus du tout où est-ce qu'on a trouvé cette clé. Ça me frustre tellement. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Le stress, c'est l'orage, ça fait sauter les plans de la maison. Apparemment. Donc là où il y avait bébé. Un couteau. Maybe à la kitchen. Nope. Nope. Il y a eu un sale bruit, j'ai pas apprécié. Écoute, à première vue, un couteau, non. En tout cas, pas à la cuisine. La grand-mère en a un. Ah, elle était là, la clé. Ok. Ok, ok. En vrai, je ferais une sauvegarde, là. Je ferais bien une sauvegarde. Ah, je peux pas. Et là? Non, bon. Bon, on retient où est la clé. Ouais. Le mort, je crois que c'est là-haut. Au niveau du bureau. Yes. Regardez s'il n'y a pas un couteau ici, hein, mais... Non. Alors, déjà il y a un truc que je veux faire. Ah, l'ampoule n'est pas cassée, ouais. C'est ce que je pensais. Il est impossible de prendre l'objet qu'elle pour l'instant. Donc, sa main sert quelque chose. Je ne peux pas prendre l'objet. Vous pensez que si... Tape avec le marteau. Salut Akila. Vous pensez que si je remets le couteau, ça va lui ouvrir la main? On va avoir la clé pour aller là-bas? Rien n'indique quelle clé est nécessaire. Non. Non. Et non. Crucifix. Crucifix. Alors, des crucifix, en a 4. Salut mamie! Vieille pute. Méritez le vieille pute. Donc là, il y a une statue, pas de crucifix. Là, il y a un crucifix. Mais pas de statue. Là, il n'y a que ce tableau chelou. Alors ça, potentiellement, c'est important. Le fait qu'il n'y ait que ce tableau-là, c'est potentiellement important. Donc non. Ce miroir-là, on ne peut pas passer à travers. Je pense que c'est quand on aura tout résolu qu'il va finir par se briser et qu'on pourra repartir. En tout cas, je le vois comme ça. L'autre endroit où pour moi il y a des statues, c'est dans la salle de progression. Là, il n'y en a pas. Des salles de progression, j'en ai 2 maintenant. Ouais, ferme-toi un peu, toi. J'ai pour commencer celle-ci. Oh, il y a la grand-mère là. Amenez-moi mon enfant. Oh, attends. Bon. Près du salon duquel? Une armoire? Faut briser la boule dans le garage, t'es sûr que c'était écrit ça? Il n'y a rien. Le salon, il est là. Hein. Là, il n'y a rien. Là, je suis dans le salon. Oh non, j'essaye de cliquer. Ça ne fait rien. Je peux juste faire examiner. Ah, il devrait y avoir quelque chose dans le garage pour vous aider à briser ceci. Ok. Alors, on va aller voir. Bien vu. Nique ta mère, toi. Je sais pas quitter, mais va bien crever. Bon, on va au garage. J'avais complètement zappé celle-là. Wow. Quoi? Quoi? Il est trop cool ce couloir. Où là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je peux plus repasser par là. Je suis obligé de ressortir par là. J'ai beaucoup trop de portes maintenant. Ça c'est fermé. Ok. Ok. Bon. Ça c'est fait, j'ai plus de briquet de toute façon. Donc là, des jouets. Un autre miroir là. Une pendule. Ouais, elles sont toutes bloquées à 3h33. Ah. C'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Ouais, il me faut un briquet. Plus grand quoi. Attendez, je peux faire une sauvegarde. J'ai fait 1% les mecs. Ça fait 1h15 qu'on joue. J'ai fait 1 putain de pourcent. Bon, une ampoule. Oui, merci. Ah. Est-ce que je remonterai pas au garage par là? Genre on est dehors. On est dehors avec une masse. Bah genre là c'est bon, j'ai fini le jeu. J'ai gagné. J'ai gagné. Ah. Donc on peut pas fuir. Ouais. Je ne peux pas aller bien loin. Est-ce que je peux casser la bouche d'incendie? Non. L'ange, enfin la statue. Pardon. Ah bah mon Dieu. Aïe aïe aïe. Ah. Je voulais pas forcément faire ça mais... Bon là, ça ne m'aide absolument pas. Mais pourquoi pas? Ah, ça a l'air très rassurant par là. Bah oui, tout à fait. Il y a un nombre dingue de miroirs. C'est complètement taré. C'est complètement ouf, quoi. Un outil pour ouvrir ici. Ok. Alors on va essayer de retourner, de faire les choses dans l'ordre. Donc du coup il faudrait retourner au garage. Trouver un couteau aussi. Allumé. Si je peux pas allumer, j'avance pas. Hein. Je suis désolé, vous pouvez me juger autant que vous voulez. Allez, cours, 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 cours. Une pièce remplie de pendus. Je crois pas, non. J'ai vu Dolores pendu. Une clé soit nécessaire. Non. Et non. Bah je sais pas, je cherche en fait, je farfouille. Tu vois, c'est ça le truc. Ah. Ouais. C'est où l'endroit qui me faisait flipper, qui était dans le noir là? Ok, je sais pas ce que c'était, donc je me mets à l'abri dans le miroir. Oh. Clé sous-sol. Bah écoute, on va voir pour l'instant, tu vois, j'essaye de me débrouiller un petit peu, Scorpion, et puis après on verra la semaine prochaine, je pense. Là, tu vois, je découvre encore des trucs, on a trouvé donc le sous-sol. Ok, j'ai trouvé le sous-sol pour me retrouver complètement keblo, quoi. Avec genre rien à récupérer ici. On bat les couilles. Ah! Bah non, on s'en bat pas les couilles. Succès verrouillé, déverrouillé, les voisins. On peut pas prendre la tronçonneuse et aller découper la porte d'entrée comme ça, fin du game. Allez, on s'enfonce un peu plus, hein. On n'est plus à ça près, en vrai. Ok. Ah, on revient là. Avec Katy Perry, là. Katy Perry. Manque de respect. Donc le garage. Ouais, dégage. J'ai presque pas peur. Alors... Hey! Une note aux étranges gribouillages. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour observer cette note, on aille se mettre dans un endroit plus ou moins safe. Donc, j'ai envie de dire un miroir. J'ai vraiment l'impression en fait que dans les miroirs, notre santé mentale ne change pas. Alors, examiner. Lire. Putain. Alors, 6h, 3h30 et 6h. Ah non, et midi ou minuit. Ok. Et alors, comme ça et comme ça pour les assiettes. On y va. On va faire ça. Alors. Là. Là. Ça a fait clac-clac. Et... Hop, 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 hop. Donc, 6. Trois trente. 12h, je crois. Ah non. Ok. Yo Shinji, je sais pas, il a dû aller se coucher. Non, parce que Batid, il fait le beau. Ouais, je reste tout le live, horreur et tout. Il a mangé 2 screamers, je suis sûr, il a fait une attaque cardiaque. Là, il est en train de se doucher parce qu'il s'est fait dessus. On parle de Batid quand même, les gars. Je l'aime bien, mais bon, vous comprenez, Batid. Ouais, il a offert 5 subs. Il a offert 5 subs tout à l'heure sur la chaîne. Et donc, du coup, ça a pris 5 personnes qui n'étaient pas sub aléatoirement. Oh, Batid, il est vivant. Alors... Maintenant, la grande question, c'est ça a ouvert quoi ? Où, quand et comment? Examiner, lire. J'ai l'impression que ça monte des fenêtres ou une porte. Alors, attends, une chose est sûre déjà. Ça monte des fenêtres ou une porte. Ouais, cherchons. Hein. Alors avant, il y a un truc que je voulais voir. Donc là, non. Son bébé qui veut qu'on lui ramène, je pense. Et là non plus. On peut bien y rentrer dans ce confessionnal de mort là. Donc ça du coup c'est fini. Ça je pense qu'il faut juste lui ramener son bébé. C'est tellement chelou de dire ces mots. Ça, c'est fini. Il me faut un putain de couteau. Ça a frappé où ? Dingue. Désagréable. Bon, en vrai, on a avancé, on a résolu 2-3 énigmes, mais putain, on sait pas à quoi ça correspond. Faut absolument qu'on trouve ce foutu couteau, quoi. C'est la clé, je pense. Alors... Ouais, faut que je refasse ça. Faut que je refasse ça, je crois. Donc faut que je le fasse et que je sauvegarde. Du coup. ça a sauvegardé juste après. Voilà, clac clac. Et heures. « 3h30 et 12h30. » Voilà. Est-ce que là, potentiellement, je peux sauvegarder? Oui. Très bien. Ensuite, le couteau. Ah oui, il vous faut vos deux mains pour... Oui, mais c'est normal. J'ai essayé de sauter, on peut pas sauter dans ce jeu. Merci. Tu ne recommences jamais ça. Un couteau, putain. Tout le monde met des couteaux dans le micro-ondes. Pas du tout. Tout le monde met des couteaux dans le four. Pas du tout. J'essaye, hein. Soyez pas désagréable. Alors clairement, c'est pas ce genre de couteau qu'il nous faut. Non plus. Non plus. Et c'est un objet clé. J'ai de la poudre en chocolat et c'est un objet clé. Waouh. C'est quoi ce jeu? Tu vas donner la poudre à la vieille pour son diabète, t'es con. Le couteau, t'as une idée, Scorpion, de où il est? Un petit coup de main? Celui-là, bro, je suis paumé. C'est un objet clé pour un gâteau au chocolat. C'est après la voiture. Équipez de votre masse, allez dans le balcon au-dessus du salon pour trouver le miroir. Oh. Tu parles de celui-là, mais c'est celui où il y a le vieux. Attends. Là. Ah, je l'avais zappé. Putain. Ah, ma santé mentale, c'était limite là, wesh. Ah. Ah. On a eu une sauvegarde automatique là, on va y aller. Mais tellement Milan avec sa masse de merde. Je l'avais complètement zappé ce miroir. Putain, c'est pas plus mal, j'aurais cherché un moment. Alors... Putain! Elle ne suit pas au moins. Et ce que je vous propose, si on peut... Ah, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Eh ben, on va avancer. Ah, ça a sauvegardé. Donc du coup, vu qu'il y a eu un petit coup de sauvegarde automatique... Et bah si, du coup je vais vous le proposer, c'est qu'on se quitte ici pour ce soir. Voilà, voilà. J'ai complètement... Ah non, c'est bon, j'ai enregistré. J'allais dire, j'ai complètement oublié d'enregistrer le live. Non, c'est bon. Si, on s'arrête là. Il faut savourer, mon petit Fuentes. On se quitte pile devant les pendus, tu vois. Comme ça, ça veut dire... Vous êtes obligés d'être là pour le prochain épisode parce qu'on se quitte à un endroit, à un moment où ça nous hype. Et ça, c'est bien. Bon, c'était cool. Je me suis fait quelques frayeurs encore ce soir quand même. Je commence à m'habituer aux screamers et au style du jeu pour l'instant. Donc ça va. Je pense que j'ai sursauté. Mais vraiment, j'ai eu moins peur, quoi. C'était... Bon, voilà. C'était la surprise, etc. C'était très tendu. C'était... Ce jeu est dingue. Mais je pense que j'ai eu un peu moins peur que la semaine dernière. Je sais pas vous de votre côté. Mais ouais, je préfère arrêter là. Comme ça, on va réattaquer la semaine prochaine directement dans le vif du sujet. On a découvert pas mal de choses, pas mal de trucs avec les miroirs qu'on peut casser. Il y a pas mal de casse-tête à résoudre. Donc c'est cool. Là, on sera vraiment dans le bain quand on reprendra. Alors la semaine prochaine, je viens de vous dire non, je pense pas. On verra soit bah, j'essaierai pas samedi, mais j'essaierai de voir si je peux vous caler un truc pour qu'on avance sur le live horreur. Je sais pas comment je vais me démerder, mais bon, on se tient au jus de toute façon, vous en faites pas. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Encore merci aux deux jumeaux pour les dons de ce soir, pour Batid qui a offert 5 abonnements et pour son frère qui a offert je crois 1000 bits, c'est énorme je crois, je sais pas du tout à quoi ça correspond, je crois que ça correspond à 10 €. J'ai du mal avec les bits en fait, je sais pas trop à quoi ça correspond, j'en ai aucune idée. En tout cas merci à vous deux, ça fait très plaisir. J'espère que la série horreur vous plaît toujours autant et sinon ben, comme d'hab je vous dis à lundi. Je vais essayer demain d'organiser du Among Us, j'espère qu'on sera assez, normalement Scorpion il nous a trouvé plein de monde donc ça devrait le faire. Sinon, bah, on partira sur autre chose, hein, du ExoHeroes ou autre. On verra. Et puis voilà. Ouais, je vais arriver, Batid, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous tiens au courant pour la suite des événements. N'oubliez pas, la semaine prochaine, niveau vidéo et live, ça risque d'être un petit peu compliqué puisque on déménage. Ciao tout le monde, bonne soirée, bonne nuit et surtout, pensez à m'aimer. A plus tout le monde.